On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo de dégustation de bonbons bizarres et insolites. Alors pourquoi on l'a fait en deux parties finalement les garçons? Parce que ça faisait trop de bonbons hein. Ouais, ça faisait trop de sucre d'un coup. Donc en fait on a coupé et on a même mis plusieurs jours précisément pour finir le tournage. 1, 2, 3, papier, ciseaux. Le trou. Ah, je couvre le trou. Ouais, tu couvres le puits. C'est Néo qui a gagné. Alors Néo, qu'est-ce que tu choisis? Moi, je vais choisir Bubble Rebels. Alors, Bubble Rebels, ça se présente un petit peu comme une canette. D'ailleurs, ça s'ouvre comme une canette, précisément. Et à l'intérieur, il y a des petites billes. Alors, on nous dit colore la langue. Ah, bien. Oui, bien. Et c'est à la framboise bleue, comme d'habitude. Pépite de bubble gum. Ah, en plus, c'est du chewing-gum. Ça va vous plaire, ça. Hein, ah oui, voilà, comme une canette. Ouais, c'est ça, regarde. Toc. Voilà. On a nos petites pastilles bleues. Très jolies. Oh, c'est chouette comme tout. On dirait des pierres précieuses. On dirait de la turquoise. C'est joli. Hein. Tu as goûté, Swan? Non. Merci. Il n'est pas décidé. On essaye, Néo? On essaye. Allez, maman essaye aussi. C'est parti. Tout ça. Bon, on met toujours dans la bouffe. T'as déjà du bleu qui apparaît. Ah oui, je vois le bleu. Oh là là. Est-ce que tu as un chewing-gum maintenant? Oui. Bon. Fais-nous un sourire. Magnifique. Ça te fait des dents vertes. Donc fais un sourire toi. Tire la langue maintenant. En tout cas c'est trop trop bon. C'est bon hein? Tiens la langue. Ouais, c'est bien sucré hein. Super bon, moi j'adore hein, vraiment. C'est bon. Moi je suis sympa. Swan, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu veux tester maintenant? Alors là, j'ai pas aimé. Alors effectivement, c'est une bouteille de Coca-Cola en chewing-gum. On va voir si ça ressemble vraiment à ça à l'intérieur. Ah oui, regardez. Super sympa. Ah ouais. Oui. Tu veux m'ouvrir? Elle est bien faite hein. Non. On dirait une vraie petite bouteille. Trop marrant. Et ça sent le coca d'ici. Ça sent très fort hein. Waouh. C'est Coca-Cola ou Coca? Ça pique pas. C'est pareil mon cœur. C'est pareil. C'est pareil. Ça a l'air trop bon. Attends, je vais goûter. Allez-y. C'est parti pour le test. Alors, il y a un liquide dedans. Il y a un liquide à l'intérieur? Comme des vraies boissons de coca. Ah! Quelques gouttes de Coca-Cola à l'intérieur du chewing-gum. Ah ouais, j'ai l'impression. Swan? Qu'est-ce que tu en penses? Ah si, quand même. Ça va. Ça lui plaît. Est-ce que ça a bien le goût du coca, Néo? Ouais. Ça, bon? Swan, ça pique pas. Swan, croque-le. Mais Swan, t'inquiète pas, ça pique pas. Hein. C'est très très bon. C'est comme les bonbons que tu aimes bien. Regarde, tu as goûté. Allez, croque. C'est bon? Méga bon. Méga bon pour Swan. Ah, bah la petite bouteille de coca chewing-gum, apparemment, ça fait l'unanimité, hein. Ouais. Allez, c'est au grand gourmand Néo de choisir à présent. Ah, moi, je vais prendre le petit bonhomme de neige, Mr. Freeze. Mr. Freeze. Et voilà le spray Mr. Freeze. Goût. Framboise. Petit bonhomme de neige. Oui, il est marrant ce petit bonhomme là. Oh, framboise sympa. Maman VS, petit bonhomme de neige. Tu vas gagner. Le petit bonhomme de neige ou maman? Oula, pour l'instant c'est le bonhomme de neige qui est en train de gagner. Allez, on teste ça. Allez, on... Maman a gagné. Oui, maman, on a réussi à ouvrir le spray. Oh là là, ça y est. Enfin, je crois. Oui, c'est bon. Ah, ça s'ouvre là, en fait. Ouais. Je croyais qu'il fallait juste enlever la tête, mais non. Ça s'ouvre là et c'est comme un, ouais, comme un spray classique. Allez, on goûte. Ah non, je veux pas moi. Non, merci. Ça pique pas. Tu veux pas goûter? C'est à la framboise, Swan. C'est à la framboise. C'est le... Ça pique pas à la framboise. Tu adores ça. J'aime que en fruits. Eh bien, je vais goûter et je vais te dire si c'est bon, Swan. Oui. Faut savoir quand même que cette vidéo de bonbons insolites et bizarres, elle a été archi réclamée par Néo, hein, à la base, quand même. Hein. C'était pas Swan qui voulait manger tous ces bonbons étranges. Alors? Oh, c'est trop bon. C'est vrai?
Goûte maman, goûte, goûte, goûte. Et toi Swan, tu veux essayer ou pas alors? Merci. Oui, c'est super bon. Non, merci. En plus c'est un fruit que tu adores. J'essaye. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est acidulé, on va dire. Ah, c'est très acidulé. J'ai toujours du mal avec les sprays quand même. Ça me fait toujours penser au spray pour la gorge en fait. Qu'est-ce que tu veux goûter? Alors, toi moi, pour horrible. Horrible, d'accord. Le ton est donné. L'œuf de dinosaure. L'œuf de dinosaure. Allez, voilà l'œuf de dinosaure. Alors, il est énorme, hein. Et on nous dit que c'est un bonbon multicouche avec au centre du bubble gum et de la poudre. Multicouche? Mais comment on fait pour manger ça? Ça ne rentre pas dans la bouche, faut le couper, non? Non, non, il faut le sucer jusqu'à ce que ça fond au bubble gum. Mais vous n'allez pas pouvoir le manger tous les deux, du coup. Oh, il est énorme, regarde ça. Oh, dinosaure. Ah oui, un peu avec la place. C'est la même taille qu'un œuf de poule. Attends, c'est fou. Alors, qui c'est qui se met ça dans la bouche là? Ah. Bah, de toute façon, Swan, tu pourrais pas, hein? Oh, il est lourd! T'as la bouche trop petite! Mais ça va prendre une heure! 5 milliards d'années plus tard! Ah, ouais, ça va être super long! Et ce que je te propose sinon, Néo, on finit la dégustation, tu le gardes de côté, et pendant qu'on lira les courriers, t'essaieras d'en venir à bout. D'accord? On fera! Allez, je prends le fruit Brix! Fais voir qu'est-ce que c'est. C'est pas piquant, ça, la pomme. Alors, Funny Candy, on nous dit quoi? Ben, on nous dit pas grand-chose. C'est une petite brique, comme une brique de lait ou de jus de fruits. Voilà, bonbon aux fruits. Bon, ben, on essaye. T'es sûre que c'est à la pomme? Oui, c'est à la pomme. Il y a du vert, il y a des pommes. Et t'as des choses. C'est sûr que c'est à la pomme. Il y a plein de pommes et c'est écrit goût pomme. Et je sais pas si c'est pomme. J'ai l'impression qu'on se moque de moi, là-bas. Oh. Attention, hein. Je me demande si c'est vraiment à la pomme. Regardez maintenant la forme des bonbons. Ce sont de petites pommes. Oui, d'accord, il est possible que ce soit à la pomme quand même. Tenez pour Monsieur Swan, des petites pommes. Tenez des petites pommes. Ouais, c'est très bon, toutes petites pommes. Allez, on essaye. Quoi? Alors? Oh, c'est bon. Ça ressemble aux bonbons qui sont sur les colliers. Ah ouais? Mais parfumé à la pomme. Ouais. Mais sinon ça ressemble à ça. Comment vous trouvez alors? Délicieux. Wow! Donne la boîte. Néo, c'est ton tour. T'es sûr? Non, c'est ton son. Ah oui, oh là là. Maman, c'est ton tour. Éléphant, c'est ton tour. Swan, c'est ton tour. Yo, c'est de mon tour. Et tout le monde est très en forme aujourd'hui, hein. Allez Swan, c'est à toi. Qu'est-ce que tu veux goûter, chérie? Tu veux des bonbons paillettes? Si tu veux. Ceux-là, hein, tu les attends depuis longtemps. Hein. Voilà les fameux bonbons de toilette qui plaisent autant à Swan, évidemment. Mais nous, on aime bien aussi. Hein. Donc, il y en a un à la framboise bleue et l'autre à la pomme. Et voilà, ce sont effectivement comme des toilettes. Hein. Tout simplement. Il y a ici une sucette que nous allons sortir de son emballage. Et on doit la tremper dans la cuvette des toilettes qui comprend de la poudre parfumée. C'est tout en bonbons, évidemment. Hein. C'est spécial quand même, hein, comme packaging. Allez, j'en ouvre un pour Swan. Léo, tu ouvres l'autre. Tu veux framboise ou pomme? Je veux framboise, s'il te plaît. Swan, il aime bien la pomme, ça tombe bien. Swan, je t'ouvre la tienne. Voilà, on a déjà ici. Enfin, normalement. Hop, voilà, la sucette. Bon. Alors, voici la... Je disais donc... Voici la sucette. Voici, hop, la petite cuvette des toilettes. Donc ça s'ouvre là. Hein. C'est bon, t'as réussi à ouvrir toi? Moi je vais l'ouvrir. Ah voilà. Ah bah il y a un petit film de protection. Ah bah il y en a pas mal quand même. Hein. Bah oui. Donc effectivement, ça ressemble bien à un vrai petit WC. C'est bien fait. Hop là, voilà. Donc on va ouvrir la sucette pour Swan. Et donc à chaque fois, il va pouvoir la tremper dans la poudre du toilette. Voilà, tout spécial. Hein. Alors, je vais ouvrir les belles toilettes. Au début, il faut la mouiller. Hein. Ouais, vas-y. Ensuite, je trempe. Bah. Alors. Est-ce que c'est bon au moins? Moi, c'est bon. C'est bon? Pas mal. Pas mal? Ça ne pique pas la poudre? Non? Ça va?
Mmh. Oh, c'est trop bon. Je crampe ma sucette, je crampe ma tout est en terrain de boue. Est-ce que c'est bon? Trop bon. Oui, j'adore. Méga bon. Méga bon. Bon bah ça plaît le garçon. Bon finalement voilà, on leur offre des toilettes, ils sont contents. Pas compliqué, hein. C'est pas compliqué. C'est à qui? C'est à moi. Et des jolis sprays. Encore des sprays. On voit bien que c'est toi qui as choisi les bonbons, hein. Je vais voir. Alors là, on a un duo spray. Il y a un côté cola, c'est le côté orange. Ouais. Et l'autre côté, c'est encore framboise. Enfin, framboise bleue, on suppose. Alors, ça s'ouvre là? Ah oui, voilà. Ah ben, il n'y a qu'un seul bouchon, hein, c'est commun. Bah, ils disent duo spray. Duo spray. Donc, a priori, le but, c'est de se vaporiser les deux en même temps dans la bouche. Non, je vais déjà les goûter un par un. Alors vas-y. Alors tu commences par quoi? La framboise? Framboise. Alors framboise ça donne quoi? Mmh. Oh c'est trop bon. Ça va, ça te plaît? Ouais, hyper bon. Et maintenant coca. Coca. Alors coca. Ça passe. Maintenant duo spray. Allez vas-y. C'est moins bon le coca ou pas? Moins bon. Ah, je préfère les framboises. Alors et les deux ensemble? Bon, déjà il faut arriver à enclencher les deux en même temps. Goût bizarre, mais ça va. Ça va? Tu veux essayer toi, Swan? Non, Swan, les sprays, pas du tout. Mmh. Super. Super? Ça fait penser à quoi? Le goût, ça fait multifruits un peu. Et donc, c'est bon alors? Ouais, très très bon. Bon. Mais en fait, je crois que t'as tout apprécié depuis le début quand même, hein? Oui, pratiquement. Mais oui, pas très difficile un bonbon. Alors, Swan, qu'est-ce que tu veux goûter? Bah, bien sûr! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des canettes, j'adore ça. Alors voici le choix de Swan. Ce sont effectivement des petites canettes. Il y a Super Cola. Celui-ci, c'est Méga Orange. Et celui-ci, je pense qu'il est écrit Shape Lime ou je ne sais quoi. Bon, ça ressemble concrètement à Coca-Cola, Sprite et Fanta. Hein. Et on nous dit Candy Fizz, bonbon pétillant. Ah, ça pétille quand même. Hein. Ah non, 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 oui, je connais, c'est trop bon. J'aime pas quand ça pétille. Mais Swan, ça pique pas? Celui du milieu, c'est Hyper Lemon en fait. Voilà. Ah. Alors ça se présente effectivement comme des petites canettes. Regardez les copains et les copines. On peut vraiment les ouvrir comme des canettes. Bon, bah c'est ce qu'on va faire. Swan, tu veux essayer un des trois ou pas? On en essaye chacun si tu veux. Oui. Oui. Alors tu veux lequel? Orange. Alors orange pour Swan. Je vais commencer par Hyper Lemon. Tiens. Il est déjà ouvert. Orange, donc toi, mon préféré. Citron. Alors ça s'ouvre comme ça, regardez. Cloc. Comme la vraie canette. Et ensuite à l'intérieur, il y a donc des petits bonbons qui sortent pas. Bah ouais, c'est trop bien. Voilà, voilà. Et ah, oui. Ah oui, si, ça y est, voilà. Ils ont une forme bizarre. On dirait de la nourriture pour rongeurs. Ah oui, hein. Ça ressemble. Ah, c'est le saut de coca surtout, hein, la couleur. Ouais. Allez, on goûte. Oh. Mmh. Mmh. Ah oui, ça pétille. Alors Swan. C'est mieux de se... dans la joue. C'est mieux dans la joue. C'est mieux la joue. Bon, ça pétille un tout petit peu, hein. Mmh. Pas beaucoup. C'est pépite. Surtout pas dans la joue. Bah ça c'est normal. Ça pépite. Ça pétille. Bah, ça pépite. Ça pépite. Oh, ça pétille. Ça pépite. Ça pétille. Ça pétille. En fait, ça pétille comme le soda. Ça fait la même impression que le soda en fait, quand on le boit. Ouais, ça fait exactement pareil, le goût du soda et le petit pétillement. Bon, quel est ton préféré entre les trois? Hyper Lemon. Ah oui, d'accord. Dans l'ordre, Lemon et après Coca. Il y en a deux. D'accord. Bon, bah, comme t'es le seul à avoir goûté les trois, on se fait confiance. Hein. C'est à qui? À moi. Alors vas-y, qu'est-ce que tu veux goûter maintenant? Je vais prendre les sucettes qui s'allument. Ah oui, on va voir si elles s'allument déjà. Flash Pop Mini. Donc effectivement, c'est encore de la framboise bleue. En fait, tous les bonbons sont à ce goût-là. Hein. Oui. Donc il y en a une à la framboise bleue et l'autre à la fraise. La sucette complètement allumée. Voilà ce qu'on nous dit. A priori, ça doit s'allumer. Donc, framboise bleue et fraise. Moi, fraise. Ah oui,
Regardez. Ah, c'était comme des sabres laser de Star Wars. Ouais, ça s'allume. Oh, c'est joli. C'est chouette, hein. On va dire un combat de sabres laser. Joli. Oh, c'est trop joli en tout cas. Tu es prêt pour le combat? Il n'est même pas allumé le tien. Ah, je t'ai battu. Alors après le combat, après l'effort, le réconfort, et les garçons vont maintenant déguster cette sucette qui s'allume. C'est marrant ça, hein? Ouais. Alors, est-ce que ça a bien le goût? Donc toi, framboise? Oh, framboise. Et toi, Swan, la fraise? Ben, je trouve ça vraiment très bon. Swan, est-ce que ça a bien le goût de la fraise? Non. T'aimes pas? Pas du tout. Pas du tout. Oh là là, heureusement que ça s'allumait pour jouer avec, parce que Swan n'aime pas le goût du tout. Bon, ben, c'est bien pour jouer, mais apparemment, à goûter, c'est moins terrible. C'était qui de choisir? C'est Swan. C'est à toi, Swan? Oui. Alors, oui, qu'est-ce que tu veux choisir, Swan? Chewing-gum. Ce sont des chewing-gum Choupa Choups. Non, ce sont des chewing-gum au chewing-gum. Des chewing-gum au chewing-gum. Non, non, c'est Choupa Choups qui fait ça, c'est Tutti Frutti. Alors effectivement, ça fait comme des petits cubes. Regardez, petits cubes Choupa Choups. On nous dit Big Bubble. Apparemment, on peut faire des bulles avec. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux essayer, ça? Oui. Hop. Oh. Allez, c'est parti pour Néo. Vas-y, Swan. Je vais essayer de faire une bulle. Ah vas-y, parce normalement c'est censé être facile avec ce genre de chewing-gum. Alors on va voir, hein. En fait, Néo n'est pas vraiment le roi des bulles de chewing-gum, hein. Autant vous le dire. Il y a d'autres choses qu'il fait très bien, mais les bulles de chewing-gum, c'est pas trop son truc. Alors ils sont comment ces chewing-gum? Super. C'est bon? Et toi, Swan, comment tu trouves? Super bon. Super bon pour Swan. Et Néo, tu nous as dit quoi toi? Super bon. Super bon aussi. Alors à l'unanimité, les Choupa Choups sans chewing-gum, super bon. C'est à qui de choisir? À moi. Et moi, je vais prendre les hamburgers chewing-gum. Alors effectivement, ce sont des mini burgers en chewing-gum et on nous dit qu'il y a du ketchup, comme du ketchup à l'intérieur. Tout à l'heure, il y avait du coca. Bon, on va voir quel goût ça a. Alors, oh, c'est trop joli. Regardez. Ah. C'est mignon. Ça ressemble à un vrai petit hamburger. Oui, c'est bien fait. Ça fait burger. Je vais goûter ce burger au jambon. Dis-nous surtout ce qu'il y a à l'intérieur. Normalement, il y a un liquide à l'intérieur. On va voir ce que c'est. Je pense pas que ce soit du ketchup quand même, hein. Ils mettent ketchup, c'est pas possible, hein. Non. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Ouais. Il y a un goût de pâte à modeler. De pâte à modeler à l'intérieur? Ah! Tu l'as pas aimé, visiblement. Est-ce que tu as senti quelque chose alors au centre? Oui, c'est très bien. C'est quoi? C'est un goût de fraise un peu. C'est pâte à modeler. Il y a un goût de pâte à modeler. Bon, toi, Néo, tu as aimé? Oui. D'accord, goût de fraise, tu as aimé, toi? Soyez hyper en forme aujourd'hui, hein. Ça, les Fizzy Sweets, allez, fais voir. Alors les Fizzy Sweets, ça ressemble à ce que vous avez déjà goûté dans la première partie. Donc des petites tiges comme ça, avec une poudre à l'intérieur qui pique un petit peu. Donc on va voir. Il y a rose, jaune, bleu et vert. Oh, je vais prendre jaune. Jaune pour Néo. Et toi, Swan, tu veux quoi? Je veux jaune aussi. Jaune aussi. Bon, alors tout le monde prend jaune, bon comme ça. Bon, maman, elle essaye le rose. Allez, on goûte. C'est parti pour la dégustation. La tête de Swan. C'est de la poudre. En fait, c'est que du sucre. Moi, j'ai de la poudre de bonbons. Moi, c'est de la poudre de bonbons. C'est parfumé à quoi pour vous? Citron. Moi, je crois que c'est fraise. Enfin, c'est fraise ou bubblegum. C'est barbe de papa. Oh, je vais goûter. Alors Néo, c'est à toi de choisir. Moi, je vais prendre le Big Baby Pop. Donc là, c'est un biberon pour les bébés. Alors là, strawberry et cola. Donc là, c'est fraise et cola. Ah bah, ça change un peu de la framboise, tiens. À l'intérieur, il y a encore de la poudre. Voilà, la poudre rose. Et donc là, au-dessus, dans la tétine, il y a la partie sucette qu'on va également mettre dans la poudre, comme tout à l'heure. Bon, on a eu un petit peu de mal à extraire la tétine du biberon. Qui était un petit peu coincée dans son emballage. On voit d'ailleurs qu'elle a un peu souffert au démoulage. Démonstration. C'est quoi ce truc? Mais pas, il se bloque dedans. Alors, c'est bon?
Ouh, j'ai l'impression que ce biberon, c'est une riche idée, hein. Je trouve qu'ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de choses originales. Y a pas de goût ? Il y a un goût fraise, mais... Peu prononcé. Ouais. Bon. Oh, bah ce biberon, alors, déception, hein. Les ballons de foot ? Allez, les ballons de foot. Ce sont des chewing-gums. Vous voulez quelle couleur, les garçons ? Moi, bleu. C'est ma couleur préférée. Ça fait vraiment un petit ballon, hein. C'est très joli. Alors, bleu pour Néo. Et toi, Swan, tu veux le rouge ou tu veux le blanc? J'ai déjà goûté à balle de tennis. Ça suffit, non? Ah, d'accord. Tu veux pas essayer, alors? Non. Moi, c'est comme tu veux. Avant, c'était mes chewing-gums préférés, ça. Je crois. D'ailleurs, c'est toujours... Oui, c'est vrai. T'adores les ballons. C'est toujours mes préférés. Alors, vas-y. Dis-nous tout ça. Mmh. Bah, du coup, bien sûr. Je te laisse les trois autres parce que je sais que c'est ton chewing-gum préféré. Je ne les goûte pas. Je les connais déjà et je te les laisse pour que tu puisses les savourer. Néo, c'est ton tour. Mon tour. Alors Néo, qu'est-ce que tu veux choisir? Bon, moi je veux bien encore les pailles. Allez, les pailles. Alors ça, ce sont les grandes pailles. On nous dit tubes de poudre rafraîchissante. Elles sont immenses celles-là. Hein. Ouais, très très bien. Bien plus grandes que celles qu'on a goûtées jusqu'à présent. Ça fait une explosion. Une explosion. Allez, on goûte après explosion. C'est bon? Très très bon. Alors, c'est quel goût? Swan. Une réaction chimique chez Swan. C'est goût médicament. Ah bon? C'est pas... C'est pas terrible, hein? Pas terrible. Ah mince, alors... Encore une sucette de bébé. Swan choisit la sucette, c'est bon? Ah oui, c'est une tétine. Effectivement, c'est comme pour les bébés. Et voilà. Donc c'est le même principe que d'habitude. C'est-à-dire que là, on a une tétine qui est en réalité une sucette. Voilà, bon, elle est bien faite d'ailleurs. Hein. Ouais, une vraie tétine. Et à l'intérieur, il y a de la poudre bleue. Et c'est encore un parfum framboise bleue. Mmh. La sucette. C'est très très bon. C'est très bon. C'est aussi bon que les WC tout à l'heure. Ouais. Alors Néo, c'est ton tour. Je vais prendre les ronds doudous. Ronds doudous? C'est des ronds doudous. Alors, ce ne sont pas des ronds doudous, mais des roux doudous, bien sûr. Alors, roux doudous, je pense que tout le monde connaît, et peut-être plus encore les personnes de ma génération, puisqu'effectivement, on avait ces bonbons-là, nous, quand on était enfant. Il y avait nettement moins de bonbons que maintenant, d'ailleurs, hein, on n'aurait pas pu, à mon époque, faire une dégustation comme celle qu'on vient de faire. Mais il y avait déjà les roux doudous, donc ce sont des petits coquillages avec un bonbon à l'intérieur. Et c'est très bon. Allez, on ouvre. Et voilà, on le voit de près. Allez, on teste. Voilà, comme ça. Est-ce que c'est bon? Ah. Non, c'est pas bon? Je n'aime pas. Et toi, Swan, alors? Ça a goût fraise framboise. Mais tu n'aimes pas? Oui. Non. Non, tu n'aimes pas, d'accord. Bon, bah écoute, dommage. Bon, bah le roux doudou, hein, pas trop de succès du coup, hein. Vous n'avez pas aimé, bon, dommage, dommage. Et pour finir, des chewing-gums. Tintintin. Fais voir de près. Avant de l'engloutir. Les chewing-gums qui collent la langue. Ah, bah voilà, Swan vous a tout de suite dit de quoi il s'agissait, effectivement. Il y a un bonhomme qui tire la langue sur la boule de chewing-gum et a priori, on va avoir encore la langue toute bleue. Allez, c'est parti. Non. Ah oui, c'est une réussite, hein. Vraiment. En fait, c'est encore plus marqué. Il a vraiment la langue super bleue. Alors Néo, tu vas commencer l'œuf de dinosaure? Ouais, bon. Ah, il devient jaune. Alors les copains et les copines, on va vous dire au revoir. Et ensuite, on passera à la lecture des courriers. Alors les garçons, on a fini, enfin, cette dégustation de bonbons insolites, bizarres. Et je tiens à le dire quand même à l'initiative de Néo qui voulait absolument faire cette vidéo. Quel est le bonbon ou le chewing-gum que vous avez préféré? Moi, c'était le bubble prise. Voilà le préféré pour Néo. Et toi, Swan, c'était quoi ton préféré? Ce sont les bonbons toilettes. Ah, les bonbons toilettes. C'est ce que tu as préféré? Alors, attends, je remontre aux copains et aux copines, mais ça m'étonnerait qu'ils aient oublié le bonbon toilette, à quoi ça ressemblait. Voilà, bien sûr, le bonbon toilette que Swan a tant aimé. Voilà. Les copains et les copines, quel est le bonbon que vous avez préféré? Pensez au bonbon. Et surtout, abonnez-vous. À bientôt, les copains et les copines. Bye bye. À
bientôt les copains et les copines. Bye bye tout le monde. Mais ne partez pas, on vous fait un petit peu de lecture dans quelques secondes. Bye bye. Au revoir. Néo et la mystère. La mystère? Je pense qu'il manque peut-être un mot. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'écris cette lettre au collège. Je suis en 6e. J'adore vos vidéos. En 6e comme toi, Néo. Quand je ne me sens pas très bien, je regarde vos vidéos, même si je les ai déjà vues, et je vais mieux. Vous respirez le bonheur. Oh, comme c'est gentil. J'ai plusieurs questions. Ah, est-ce que Swan et Néo se disputent des fois? Parce que moi et ma sœur, on est chien et chat. Le chien c'est moi, le chat c'est ma sœur. Ah, est-ce que vous vous disputez des fois les garçons? C'est rare mais souvent quand ça vraiment m'embête beaucoup À un moment vraiment tu sors de tes gonds. Au bout d'un moment t'en peux plus. Alors ça peut arriver, c'est quand même effectivement très rare. En général voilà, c'est un petit peu un ras-le-bol de la part de Néo, hein, oui. Quand Swan l'embête un petit peu trop. Alors non, on vous rassure, ça se passe plutôt comme ça, heureusement. Non, c'est juste que dans ces cas-là, Néo s'isole dans sa chambre, tout simplement, voilà. En tout cas, il n'y a jamais eu de dispute qui ait duré longtemps. En général, voilà, c'est quelques minutes éventuellement de séparation et c'est tout. Mais c'est fini, oui. Et d'ailleurs, quand vous vous chinoisez, c'est quoi la punition? Tu nous sépares. Voilà. Oui, quand on se sépare. Voilà. Effectivement, quand il y a dispute, encore une fois c'est rare, mais bon ça reste des enfants, hein, ça peut arriver. Quand il y a dispute, la punition ultime c'est de les séparer chacun dans sa chambre. Et comme vous vous adorez, hein, c'est la punition suffisante pour que vous redeveniez sages et vous jouiez de nouveau ensemble. Alors deuxième question, si Swan et Néo avaient un animal de compagnie, qu'est-ce que ça serait et comment s'appellerait-il? Alors toi Swan, si t'avais un animal de compagnie, ce serait quoi? Un chat. Et comment tu l'appellerais? Papounet. Oh, un petit cœur, comme celui du KFC. Et toi Néo, si t'avais un animal de compagnie? Ce sera un iguane. Oui, et comment tu l'appellerais? Grande question. Tu n'as jamais trop posé. Iguano. Pauvre iguane. Bon, t'as encore le temps de lui chercher un nom parce qu'on va peut-être pas l'en adopter un tout de suite. Alors là, j'ai découvert de nouvelles épaisseurs. Au début blanc, ensuite gris et ensuite vert. Bon, on va arriver. Par contre, là, je peux plus. J'ai mal à la langue carrément. Ah oui? Là, ah ben, tu déclares forfait alors? Forfait. On viendra pas au bout de cette heure. Cette dinosaure est trop résistant. Bon, tant pis. Alors, on reprend le courrier de Kélian. J'ai vu votre première vidéo, c'était les Orbeez. Ah, les Orbeez. Et je me suis abonnée à répondre hors caméra. Ah, bon, alors ça je vous dirai après. Et puis à l'adresse aussi, donc pareil, ça sera hors caméra. Quel lien, un de vos abonnés. Regardez le dessin. Ouais, un petit smiley. Un smiley, t'es sûr? Oui, regarde, c'est un petit smiley qui tient la langue un petit peu. Merci beaucoup. Alors, courrier suivant. Là, c'est une carte. Ah, une carte. Sympa, hein? Ouais. Corse. Non, ce n'est pas la Corse, mais c'est le sud de la France, je pense, le Lavandou Saint-Clair. Alors je ne sais pas s'il y a le Lavandou et le Lavandou Saint-Clair. Moi je connais le Lavandou dans le sud de la France. On suppose que c'est au même endroit. C'est pas très loin de l'endroit où on est allé en vacances cet été en fait. Hein. Oui, oui, c'est la Côte d'Azur. Alors bonjour, je m'appelle Océane. Vous êtes mes préférés youtubeurs du monde entier. C'est gentil ça. Je vous donne mon adresse. Alors le reste, hein, ça sera hors caméra l'adresse. Je vous adore. Voilà, il y a un petit dessin aussi que je vous mets en cachant l'adresse. Et le nom de famille, regardez les garçons. Et voilà le petit dessin. Qu'est-ce qu'on dit à Océane? Merci beaucoup, Océane. Merci bien pour ta lettre. Merci pour ta carte. Merci d'avoir pris le temps et la peine de nous écrire. Alors, on a une autre personne qui nous écrit avec des petits cœurs, regardez. Ah, des petits cœurs. Bon anniversaire, Swan. C'est une fille. Elle s'appelle Edwige. Ah oui, Edwige, elle nous a écrit le 19 septembre. On est vraiment très en retard dans notre correspondance. Coucou Swan, Néo et la maman. Et Swan avec des petits cœurs partout. Je vous adore. Tous les jours, je regarde vos vidéos. Je vous fais la lettre en direct devant votre dernière vidéo. Trop mignon.
Swan est trop mignon, Néo est très gentil, la maman est aussi très gentille avec ses petits choux. Désolée pour les fautes, je suis fan des chevaux, mon sport est l'équitation. Et il y a plein de bisous, plein de cœurs, maman, je vous aime. Regardez les cœurs. C'est joli. Ouais, c'est mignon. C'est surtout les filles qui nous font des cœurs, hein. Vous avez remarqué? Qu'est-ce qu'on dit à Edwige? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edwige. Merci à toi et merci pour les petits cœurs, sympa aussi. Alors là, on a un autre courrier, c'est un garçon. C'est Raphaël. Raphaël qui nous écrit et qui nous dit: bonjour Swan The Voice, je vous adore car dans chaque vidéo vous mettez de l'humour et plein de bonne humeur. Les critiques m'énervent, moi et nous aussi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne vous laissent pas vivre votre vie que vous avez rêvée. Oh, c'est gentil, c'est adorable d'avoir compris. Je vous remercie de m'avoir donné de la bonne humeur quand je n'en avais pas et de m'avoir fait sourire quand j'étais triste. Oh, bah écoute Raphaël, vraiment on est très heureux d'avoir pu t'apporter des bonnes choses comme ça. Restez comme ça, vous êtes superbe, vous fondez une très belle famille. Je m'appelle Raphaël et j'ai 11 ans, je suis en 6ème A. 6ème A ? Oui ? Comme moi ! Comme toi ! J'espère que ça se passe bien avec Swan et avec Néo. Oui, ça va. Bon courage à tous, gros bisous. Pouvez-vous me faire un autographe et m'appeler si c'est possible, on dit l'adresse et le numéro de téléphone. Alors qu'est-ce qu'on dit à Raphaël? Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup Raphaël. Merci à toi, très très gentil. Et enfin le cinquième et dernier courrier pour aujourd'hui. Alors, Léa, c'est une fille. Ah, Léa. Salut Swan, Néo et la maman, je m'appelle Léa, ça sera bientôt mon anniversaire, le 29 octobre, on te souhaite un bon anniversaire en avance Léa, et j'aurai 12 ans, j'aimerais beaucoup que vous veniez en Alsace, vers Strasbourg. Ah, c'est possible qu'on aille un moment en Alsace, on n'en dira pas plus. J'adore vos vidéos, elles sont vraiment géniales et comme vous savez, les rageux qui vous disent de méchants commentaires, ils sont tout simplement jaloux. C'est sûr. Oh, c'est gentil d'avoir compris également. Continuez comme ça, de toute façon, vous êtes les meilleurs. Et quand j'ai dit à des amis de classe que je vous ferai une lettre, ils ont tout de suite dit « C'est vrai ?» Je les adore, donc c'était cool. Je suis en 5e. J'aimerais trop que vous ouvriez ma lettre en vidéo. Voilà, c'est fait. Vous êtes trop chou. Et si vous venez en Alsace, il y a un parc d'attractions pas très loin qui s'appelle Europa Park. Sur Europa Park. Bien sûr, alors Europa Park on adore, on connaît. Mon parc préféré. Oui, on y est déjà allé plusieurs fois, mais à l'époque on ne faisait pas de vidéo. Et on espère pouvoir y retourner et vous emmener avec nous les copains et les copines, bien sûr. Ça fait partie de nos projets, mais voilà, on a pas mal de choses à faire, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'on ira, mais un jour on ira, c'est sûr. C'est un très très grand parc d'attractions, oui, je pense que vous aimeriez beaucoup, c'est sûr. Mais je pense que ça sera chaud pour Swan, car la plupart des manèges c'est 1m20. Ah, moi, peut-être attendre justement que Swan mesure 1m20. Bisous à tous, Léa, avec un joli petit cœur. Merci, maman. Au secours. Mais Léa, tu aurais eu un remerciement qui, je l'espère, n'aura pas détruit les tympans de tous ceux qui nous écoutent avec un casque. Ça serait bien. C'est fini pour les courriers pour aujourd'hui. Merci à tous. Oui, merci beaucoup pour vos courriers, pour vos colis, pour vos attentions, pour vos commentaires, pour tout ce que vous faites pour nous. C'est super méga génial, comme dirait Swan. Merci encore. Bisous à tous. On vous adore. Bye bye, bye tout le monde. Bye.